Ok, mais bonsoir à tous, chers amis, c'est Lady, comment allez-vous? Bah ça va super bien, ou du moins presque. Du coup là vous voyez, on se retrouve un petit peu du coup dans l'End, enfin du moins dans le Stronghold. Alors, faut savoir, j'ai tourné un épisode de la maison au Stronghold. Faut savoir qu'on n'est pas très loin de la maison non plus. Regardez, on est en 1300 quelque chose, la maison doit être en 300, enfin bref, il y a peut-être que 1000 blocs de décalage, enfin bref, peu importe. Du coup j'ai fait un épisode de la maison jusqu'au Stronghold, mais mon PC a crash, du coup le fichier est inutilisable. Enfin bon, à force je suis habitué. Ça c'est pas forcément le problème. Puis du coup bon, au final ça servait pas non plus à grand chose. Donc bon, je me suis dit bon bah c'est tout. Tant qu'à faire, autant reprendre du coup l'enregistrement complètement à partir d'ici. Et du coup bah là on a trouvé du coup le portail, donc c'est plutôt sympa. Alors attention, on va juste... Hop, attendez, on va juste casser ça. Voilà, nickel, parce que ça, j'ai horreur des... Merde, comment ça s'appelle? Ah putain, derrière! J'ai horreur des... Ça s'appelle comment ça déjà? J'ai oublié le nom moi. Des silverfish, voilà. J'ai horreur vraiment des silverfish, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Déjà par son bruit, déjà en plus parce que c'est chiant aussi. Donc on a trouvé le portail. On va le prendre en coordonnées. Ça a été fait au moins. Donc on n'est pas très très loin, vous voyez, on est en 1330. Bon, ça va, hein. C'est pas non plus super super loin. Là, il n'y a aucun œil de posé. J'espère que j'en aurai assez. Alors, attendez, parce que là j'entends juste le silverfish et... Ah là, voilà. Ok. Non mais attendez, ah quand même, c'est ouf ça. Ok, bon. Non, après il y a plein de trucs aussi du coup dans ce Stronghold à explorer, hein, vite fait, mais bon. Bon, on va simplement du coup s'arrêter au portail. On va voir du coup un petit peu comment on va le remplir. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben c'était vraiment limite. Bon, ok, alors, est-ce qu'on fait l'Under Dragon dans cet épisode? Moi je suis partant. Moi je suis partant, mais avant ça, il faut juste faire un petit peu de préparatif avant d'y aller. Puisque dans un premier temps, il faudrait déjà au moins quand même s'occuper de tout ça. Donc de cette. Oh merde, putain, j'ai jeté la laine. Oh non, oh non. Oh je suis un bâtard. Oh je suis un enculé. J'ai jeté la laine. J'ai jeté la laine dans la lave. Je peux pas me faire de lit. Bon, c'est tout, on va remonter. On va remonter, on va aller chercher de la laine en haut. Oh putain. Oh je suis un bâtard. Je suis un enculé. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai confondu ce bloc avec justement ce bloc de laine avec de la stone ou une connerie comme ça, vous savez. Et putain, ah, je suis trop dégueu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, merde. Attendez, on va juste laisser, voilà, ça au moins, comme ceci. Bon, c'est pas bien grave. Tant pis, tant pis. On va aller chercher des boutons. J'espère qu'il y en aura quand même. Ah putain, ça m'énerve, parce qu'à chaque fois, du coup, je pose un petit peu cette torche, mais elle se... Bon, hop, on va positionner ça là, ok, nickel. Parce que du coup, à chaque fois, en fait, elle se met un petit peu différemment. Bon, c'est tout. On va remonter, c'est pas bien grave. Hop. On va aller chercher de la laine en haut, en espérant qu'il y en ait. Sinon, on est du fil, ouais, sinon, on ira tuer 2-3 araignées pour avoir un peu de fil. C'est pas bien grave. Évidemment, j'ai encore de me faire avoir, c'est pas mais grave, voilà. Bon, c'est tout, c'est un petit faux départ, mais du coup, voilà, on va réfléchir un petit peu à cette stratégie. Du coup, je vais refaire un lit, comme ça, je vais le mettre bah, là au Stronghold. Ah, encore, voilà. Je refais un petit lit, ça, je le mets devant le Stronghold, et comme ça, au moins, on aura du spawn, on aura un spawn vraiment à côté. Donc, au moins, comme ça, ce sera vraiment pas du tout le problème. Et ensuite, on mettra, du coup, l'Under Chest. Soit l'Under Chest, on le met au début du Stronghold, donc c'est-à-dire avant de rentrer dans le portail. Soit on le met après, soit on le met directement dans l'end. Alors je sais pas du tout quelle solution est la meilleure, quelle solution est la plus adaptée. Moi je serais d'avis de le mettre à côté. Je pense qu'on va le mettre à côté du portail. Comme ça au moins si on respawn au cas où, et eh bien au moins il n'y aura pas tellement de... Merde. Bon bah... Bon. Wow, mon capot de PC se barre un peu. C'est pas grave. Hop. Non, toujours pas. Ok, nickel. Je suis bloqué là. Ok, c'est pas grave. Allez, go, on sort de là. Attention au skeleton. Bon, ça devra aller, hein. D'accord, c'est fait complètement marave. Voilà, nickel. Donc on est arrivé où? Juste là. Ok, donc on prend les screens en coordonnées. Est-ce qu'on voit des moutons aux alentours? Est-ce qu'on voit des moutons ou des araignées ou quelque chose comme ça? Là, il y a déjà une araignée juste devant. On va aller, je pense directement aller aux araignées parce que les moutons à mon avis sont pas du tout près de... Ah si si, c'est bon, regardez là, il y a un... Oh, il y a un spider jockey.
Ouais, Spider Jockey. Non, même pas, même pas, même pas. Il a spawn sur la même case, mais alors rien à voir quoi. Rien à voir du tout. Ok, bon. Donc c'est tout, on a un mouton, on va redescendre. On prend cette laine, on redescend, c'est parti, on l'a bien. On a bien les trois laines, c'est nickel. On redescend. On redescend, on n'est pas du tout resté ici du coup pour tuer, enfin pour avoir du coup ce genre de mob, on s'en tape un peu, complètement même. Et là vraiment l'objectif ça va être d'être, enfin du moins d'aller dans l'end alors. On va juste essayer de se souvenir un petit peu de là où on est descendu. Et là la pression commence à monter. La pression commence vraiment à monter, c'est un truc de ouf. Ah merde, on n'est pas du tout descendu par là. Mais merde, attendez, putain, me dites pas que j'ai encore... Me dites pas que j'ai encore paumé le... l'endroit. Ah putain, alors ces squelettes sont vraiment relous. C'est le genre de moment qui est ultra énervant, mais faut surtout pas s'énerver parce qu'il y a comme ça qu'on fait des conneries. Donc c'est tout, c'est pas bon. On prend son mal en patience. De toute façon, on n'est pas du tout à 5 minutes, hein, puisque dans cet épisode, si on fait l'end, ça va être, je pense, assez compliqué. Mais voilà, c'est tout, c'est pas grave, on s'adapte. Non, ça va pas être dans celui-là. Ça va pas non plus être dans celui-là, non plus. Putain, mais attendez, j'ai encore paumé le trou là déjà? Donc c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans non plus. Putain. La détresse. La détresse. C'est pas là-dedans non plus. Putain, le monde. T'as le peuple. Oh, le peuple. Oh, le peuple. Oh, le peuple. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va s'emmurer et on va regarder, je vais regarder juste vite fait. Non, casse-toi, casse-toi! Mais casse-toi! Mais putain, mais il est relou, mais il est relou, oh le relou, oh l'araignée qui est relou. Oh l'araignée qui est complètement relou. Oh les relous. Oh les relous. C'est pas grave. Ok, on se met là-dedans, bon, on voit rien, c'est normal, c'est pas grave. Du coup, je vais juste attendre que la fin disparaisse parce que du coup, voilà, c'était le vieux zombard de merde. C'est pour ça que j'ai un peu gueulé, parce que du coup, je pensais un peu me faire avoir. Alors, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous, ça vous fait échappe. C'est juste que je vais voir dans le point Minecraft du jeu. Regardez un petit peu du coup où est le screen. Regardez les coordonnées du screen. Donc, c'est en... Attendez, je vais même le mettre sur le deuxième écran. Hop là, nickel, comme ça revient en jeu. À casser ça. Ça dégage. Non, pas toujours pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, attendez, on va y arriver. Nickel. Ok, donc c'est 1331. Donc 1331, c'est par où? C'est par là. Ah oui, d'accord, donc en fait on était un peu trop décalé. 864, donc au final, on est sur la même distance. Voilà, c'est ce petit lac, normalement. Non? Attendez. 1331. Eh mais c'est là, quoi. C'est ici. Ok, nickel. Allez, viens là. Bon, c'est parti. Oh bah là, il sautera. Hein. S'il veut venir nous rejoindre, il sautera. Voilà. Bon, on s'en fout. Nickel. Bon. Ce petit contretemps est passé. En plus, ces zombards, ce genre de zombards, en fait, ils vont complètement flipper. Enfin, flipper, bon, déjà par leur bruit qui est un peu relou, on va pas se le cacher. Mais, en fait, quand ils vous tapent, ils vous donnent faim. C'est un peu chiant. C'est vraiment chiant même. Putain, on entend même une witch. Ok, attention, au stronghold, pas de mouvement brusque. Ok, on va même pouvoir refermer comme ça, au moins on se fait pas chier. On va même refermer ici, on se fait pas chier. Ok, on est enfermé du coup dans notre petite salle, assez sympatoche. Assez sympatoche du coup, on va pouvoir faire le lit. Hop, voilà, donc là maintenant on a notre lit. Donc notre lit, pardon, qu'on va installer ici. Voilà, comme ça on dort déjà dedans, comme ça on marque notre point de spawn. Notre point de spawn est fait. Du coup, là-dessus on est bien. Donc ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça dégage. La terre, ça dégage. Le stick, ça dégage. Ok. Bon. Ouf, putain, la pression là. Ouf. Bon, allez, on va essayer de se calmer un peu. On va essayer de se calmer un peu. La torche, on va peut-être la garder quand même. Le reste, ça dégage. On a ça dégage. Hop là. Donc bah, ça, du coup, au final, on s'en fout. Faut juste que du coup, on refasse. Cette under chest. Hop là, qu'on pose du coup ce stuff du coup qui est ici. Comme ça au moins elle est disponible. Bon, on a tout. On va du coup simplement se préparer au stuff, se préparer au pire. Et puis je pense qu'on peut y aller. Donc des petites coordonnées. Allez, c'est parti. On se lance. On se lance dans la quête de l'under dragon. Ok, donc là on arrive déjà sur une plateforme, on n'est pas du tout serein.
Donc, c'est pas grave, pas de soucis, pas d'inquiétude. On va juste se dépêcher, on va. Du coup, se décale par là, on va juste espérer que le Nord Dragon va pas nous spawn kill, parce que bon, sinon ça va être un peu relou, on va pas se tout cacher. Je le sens même déjà bien arriver. On se magne. Ok, on est déjà ça y est. Oh putain, ça m'a fait flipper, c'est rien, c'est mon boîtier. C'est mon capot de PC qui. Oh le bordel, c'est normal, vous entendez du bruit, c'est mon. Eh, mon PC est vraiment en train de tomber en rade. En fait, c'est mon PC qui vient. C'est mon capot de PC qui vient de tomber. Ça m'a fait trop flipper, j'ai cru que le Nord Dragon, ça m'a fait trop sursauter. Parce qu'en fait du coup mon PC est installé sur mon pied et du coup bah le Nord Dragon en fait fait ce genre de le même genre de même bruit en fait et du coup ça a trop fait flipper. Bref c'est pas grave, on va du coup remonter comme ça. Ok. Ok, on s'est déjà fait frapper par le Nord Dragon, on a fait. Oh, putain il m'a fait flipper. Ah attention. Attention, attention. On s'écarte. Ok, bon, on fait juste bien gaffe à l'Ender Dragon du coup. Merde. C'est pas grave, regardez, regardez. On va faire une petite technique pour avoir l'Enderman. Qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Mais meurs! Ok, attendez, on va déjà faire une petite base comme ça. Ok. Alors là, du coup, je serai. Oh! Chaud! Putain, il nous a fait jarter, quoi. Attendez, mais. Oh! C'est le bordel! C'est le bordel! C'est le bordel! C'est le bordel! On va s'emmurer, on va s'emmurer. Oh, regardez, hop là, voilà, comme ça au moins on s'emmure un petit peu. Putain, le bordel, quoi. Putain, j'ai même pas eu le temps de respirer. Donc, par sécurité, on va mettre la citrouille. Putain, on voit rien du tout. On va pas la mettre parce qu'on voit rien. C'est un peu relou. Oh, putain, la vache. Ok, allez, go, maintenant, faut faire très vite. Faut faire très vite. À mon avis, on va même mourir, c'est une certitude. Merde, on l'a fail. En fait là faut même limite pas rester au même endroit en fait. Parce que là, le Nord Dragon du coup va nous focus salement. Wow, ok, faut qu'on bouge. Merde, je crois que j'ai tapé un Nord. Non c'est bon. Ok, nickel. Ok, donc c'est tout, on prend popo de force. Et on y va. On est parti. Du coup là ça va être le plus difficile. Puisqu'il faut vraiment essayer du coup de taper un petit peu. Wow. Ok, nickel. Faut vraiment qu'on essaye d'avoir du coup tous ces tours. C'est le bordel. Ok, et de une. Et de une. On a pu l'enchaîner. Ok, faut toujours rester en mouvement. Il va nous charger. Il va nous charger. C'est bon, il nous a juste poussé. Très légère. Oh putain. C'est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Alors, je vérifie juste qu'il n'y avait pas les Enderman derrière moi. On fait bien gaffe. Oui, c'est ce genre d'endroit, en fait. C'est ce genre de cage qui est complètement bizarre. Attendez, j'essaie juste de me concentrer, j'ai combien de flèches encore? Ça va, ça devrait aller. Attention, on fait gaffe à quand il nous charge. Bon, je vais vraiment avoir un commentary de merde. Dans le sens où il faudra vraiment... hop, nickel. Peut-être de deux. Oh, genre, juste à côté. Bon, pour l'instant, il nous a touché plusieurs fois, mais il nous a pas vraiment fait décoller, donc c'est vraiment une bonne chose. Hop, attendez, regardez, je vais même inverser, voilà, comme ça on peut manger. Vraiment quand on veut. Il nous a vraiment pas tellement fait décoller autant que ça en fait. Donc c'est plus... Merde. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. Même si je pense que ça a pas non plus trop tardé. Merde. Faut pas que j'aille dedans. Hein. Faut pas que j'aille dedans parce que sinon c'est la mort assurée limite. Attends, je me souvenais pas à quel point le Nord Dragon était très chaud à faire tout seul. Allez. Touche-le. Détruis-le. Nickel. Merde. Faut pas qu'on aille dedans. Attention, reste toujours en mouvement. Ok, donc là on va essayer de monter du coup sur cette tour. Ça va être assez le bordel quand même. On va pas se le cacher, on va pas se mentir, ça va être vraiment trop le bordel à détruire. Donc c'est parti. On met ça de ce côté. Et puis on va essayer du coup de monter. Je sais même pas du tout où est-ce qu'il est. On va tellement se faire marave. Allez go, on se bagne. Vite, débloque, 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 débloque. Oh ok, je descends, je descends, je descends, j'ai eu trop peur. Sincèrement, j'ai eu trop peur, là. Je me suis dit, putain, ça y est, c'est fini, il va nous charger. Et merde. Putain, sa mère, ça va être trop chaud. En plus, j'ai même pas le temps de tout détruire. Et vous croyez qu'elle est ouverte ou pas au-dessus? Ça m'étonnerait, je crois qu'elle est complètement en cage. Et là, il reste une là-bas. Oh, on l'a eu. Oh, nice. Putain.
Like Pro. Bon, en fait, ça va, c'est pas si terrible que ça. On a un peu de flèches quand même. Mais en fin de compte, ça va. C'est pas si pire que ça dans le sens où vraiment, il nous pousse pas tellement en fait. Mais j'ai souvenance qu'il y a des survies. Enfin, c'est même constamment en fait. C'est vraiment même à chaque fois en fait. Vraiment, il nous pousse vraiment à chaque fois en fait. Et c'est vraiment super relou. Attendez, on va essayer de prendre un petit peu de distance. Bon, cette tour-là, normalement, devrait être plus ou moins simple à faire. Celle-là, là-bas, là. C'est assez chiant, je pense, à faire. On peut pas la renvoyer, non, on peut pas la renvoyer, hein. Putain, elle est là. Juste bien que ça rentre. J'aimerais bien juste que ça rentre, quand même. En plus, les aines, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus petits aussi. Merde. Oh! En plus, j'ai l'impression qu'elles sont complètement beaucoup plus petits, l'end. Enfin, les aines de maintenant que les aines d'avant. Ok, deux une. Oh! Bah, en fait, c'est mis devant. C'était pas du tout mon but. Oh! C'est quoi ça? Ah ouais, non, c'est rien. C'est la poudre de perlimpinpin, comme on dit. On s'est fait vraiment agresser. Enfin, on va manger une petite pomme. Vite. Mais avant l'Ender Dragon, il tirait pas de projectile avant. Il tirait pas du tout de projectile. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Parce qu'avant c'était plus simple. Sincèrement, avant l'End était vraiment très simple, hein. Il n'y avait pas tellement de problèmes en fait. On pouvait même le faire avec une armure en fer pas forcément enchantée. Bon, ok, on va voir maintenant du coup ces autres tours vont le régène parce que j'ai vraiment pas envie de les faire. Sincèrement, ça va être trop le bordel. Donc on va voir si ça les régène quand même. Juste aller récupérer mon eau quand même. Et on pourrait même retenter, je pense. Attendez, on va voir un peu comment on s'en sort. On va voir un petit peu s'il va revenir. Non, 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 on va devoir au moins les faire. Attendez, je vais aller au moins faire celle-ci parce que là, normalement, on les a toutes faites. Je crois qu'on les a plus ou moins toutes faites quand même. Faut juste faire gaffe parce que là, on n'est pas très loin du vide. C'est un peu le bordel. Bon, allez go, on prend nos couilles. On prend nos couilles. Ah putain, mais il casse les couilles. Putain, franchement, il est saoulant là. Ah! Sa mère! Putain, où était la partie... Ouais, mais la partie... Alors là, attendez, mais là, ça va vraiment être trop chaud. Sincèrement, ça va être vraiment le bordel, quoi. Ah merde, il reste une encore. Il reste une encore. Non, c'était... En fait, il a pris la flèche. Alors qu'en fait, c'était... Ok, il nous reste plus qu'un sac de flèches. Là, on a utilisé 45 flèches au total. Mais je pense que là, dans la globalité, on a utilisé un petit peu notre quota. Dans le sens, on va pas non plus en avoir besoin de plus. Vous verrez. Là, il reste juste une tour à avoir. Alors, du coup, au total, c'est 3 tours. Merde. Ouais, mais attendez, putain, il se régène à mort. Ouais, non, ça c'est à peine perdu, c'est à peine perdu. Mais pendant qu'il fait ça, nous on peut monter. Ok, j'ai préféré sauter, j'ai pas voulu me faire avoir non plus. Vous savez quoi, on va devoir ramasser un peu de blocs parce que là j'ai plus de blocs. Toi tu dégages, juste aller ramasser ça. Je n'ai plus du tout de blocs, donc là ça va être vraiment le bordel. Il va falloir qu'on ramasse un peu de blocs comme ça. Attention bien sûr, à chaque fois on fait gaffe bien sûr à ce quand il tire. Ok, donc là il est re au centre. Ok, go, go. Je m'excuse du bruit, on y va, on fonce. Go, 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 go. Opération commando. Une opération commando. Putain mais c'est masse. Oh! Attendez, on va se mettre dans l'eau. Oh! Oh sa mère! Oh! Ah ouais, vous voyez, c'est ce genre de choses en fait qui est très compliqué. Oh merde, putain. Oh non, putain, il a détruit la source d'eau. Oh le mec relou quoi. Oh putain. Le mec casse-couille. Vous voyez, c'est le genre de choses où c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que là, il nous a vraiment poussé, alors pas tellement de haut en fin de compte, hein. Il nous a juste multiplié un petit peu notre chute, mais globalement, ça va, ça a été. Et normalement, il y a plus haut. Il y a plus haut quand même, je vais pas vous le cacher. Ok, quoi qu'il arrive, on tient. On tient. Faut qu'on saute. Ah putain, popo de régène. Merde, et merde. Et putain, je me suis tué moi-même. C'est pas grave, on y retourne. On va reprendre le stuff, c'est pas grave. Je me suis tué moi-même, j'aurais pas dû sauter. J'aurais dû rester dans le bord. En fait là justement, c'est pas grave, on y retourne, regardez, normalement ça devrait aller, si on se magne, ça devrait aller très très vite. Je me suis tué moi-même, je suis con, j'ai pas pensé, c'est pas grave. On traverse du coup, on sait où c'est au moins, on sait où c'est.
Il y a juste à se manier. Bon, en fin de compte, ça va parce que là, du coup, on a une armure, on n'a pas d'épée, mais on sait où c'est. Bon, du coup, au moins, on en a détruit une. Donc, quelque part, c'est bon, hein. Quelque part, c'est bon, il ne nous reste plus qu'une du coup à détruire. Là, ça va être très compliqué dans le sens où on a vraiment plus grand-chose. Mais dans la globalité, ça va. Donc là, maintenant, faut bien tout qu'on récupère. Hop là, attention à l'Ender Dragon qui nous tue pas. Ok, on jarte ça vite, très très vite. Hop là, ok, ça s'est remplacé. Donc, au moins, ça s'est remplacé. Je vais même pas... Ah, on pourrait même tenter l'Ender Pearl. Ça se tente en vrai, l'Ender Pearl. Hein. Le problème, c'est que là, on a plus d'eau. On a plus d'eau, donc là, j'ai envie de vous dire, ça va être un peu quitte ou double. Mais on va le tenter. On va le tenter parce qu'on est des boss. Et puis, de toute façon, au pire, on pourra toujours... ok, go. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Regardez-moi cette technique. Vite! Allez vite! Creuse! Non! Putain! Putain, j'aurais eu plus de temps. J'aurais eu plus de temps, on aurait eu le temps de la faire. Large. Attendez, juste pour... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. On a l'idée, on a l'idée, on a l'idée, il nous reste une popo. Putain, c'est le bordel. Ok, il nous reste une popo, on va attendre qu'il retourne au centre. On va attendre qu'il retourne au centre. Normalement, il lui reste trois fois rien. Je crois qu'il lui reste qu'une seule tour. Il lui reste qu'une seule tour et puis après on pourra se consacrer à ça. Donc, dans la globalité, ça devrait passer. Il faut juste attendre qu'il revienne au centre. Et normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Mais bon, globalement, ça va parce qu'au final, même si on meurt, bon, au pire, on revient. Attention, je me concentre. Oh putain, fais chier. J'ai tout fail. C'est pas grave, on va se dépêcher du coup d'en refaire une. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Attention. Regardez ce qu'on va faire. On va retuer un Enderman, c'est pas grave. De toute façon, on a encore un peu de pommes, donc... ça va, ça va. Ok. Bon, on va rester centre. On va rester le plus cool possible. Attention à l'Ender Dragon. On va attirer un Enderman. On va en tuer juste un seul. Hein, juste un seul. Attention, faut juste en trouver un qui soit... Ouais, regardez celui-là. L'approche de la tour, il est quand même relativement isolé. Histoire qu'on ait justement... hop, allez vite. Voilà, nickel. On a deux Enderperles, on peut recommencer. Merde, 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 j'ai trop fait, j'ai trop fait. C'est pas grave. On attend, on refera. On refera après. Là, il lui reste normalement qu'une seule tour. Qu'une seule tour. Vous imaginez, là les amis, on a presque réussi là. Là, j'ai juste la technique, faut juste que j'arrive à prendre mon temps et à me mettre centre, centre. Ah non, putain, il lui reste deux tours. Ouais, celle-là, au pire, on la fera après, c'est pas grave. On la fera après. Là, les amis, on va juste attendre qu'il se mette au centre. Attention bien évidemment qu'il nous fixe. On va attendre qu'il se mette au centre. On va y arriver. On va y arriver là les amis. On va y arriver. Croyez-moi, on va y arriver. Croyez-moi, on va y arriver. Il faut juste bien sûr croire en nous. Croire en nous. Ça va pas forcément être le problème. Là, il y a juste à attendre tranquillement, à tout esquiver tous ses coups. C'est vrai que je suis tellement stressé. Mais là, globalement, je sais qu'on l'a presque fini. Parce qu'après, après descendre sa vie, c'est pas le plus important. Hein. Hop, vas-y, mets-toi au centre. Nickel. Allez, go. Oh oui! On est passé! Non! Putain, c'est bon! Nickel! Vite! Popo! Et merde! Est-ce qu'on... C'est bon! Nickel! Nickel, les gars! Nickel, nickel! Bon, ça a été très risqué ce qu'on a fait, mais c'est passé. Et là, maintenant, il reste plus qu'à détruire celle-ci. Peut-être du premier coup. Tout petit peu plus haut. Nickel! Bon, ben maintenant, là, il n'y a plus qu'à le tuer. Donc, je pense que ça devrait aller. Merde, hop là, nickel. On l'a évité, c'est pas grave. Ok. Bon, ben là, maintenant, il n'y a plus qu'à l'avoir à l'arc, hein, je pense. Globalement, ça va être ce qu'il va falloir faire. Ok. On va essayer de l'avoir un maximum au centre. Hop, allez go, on fait descendre sa vie au maximum. Ok, nickel, on l'a déjà bien fait descendre. On l'a déjà bien fait descendre. Là, globalement, on est bon. Et au final, du coup, notre technique était pas si mauvaise hein, avec le stuff. C'est vraiment ce qu'il faut faire, je pense, la technique. C'est vraiment la meilleure des techniques, je pense, avec le stuff. C'est-à-dire, vous faites vraiment un double stuff. Vous mettez un under chest ou un coffre, hein, peu importe. Hein. Enfin, disons que l'under chest est beaucoup plus simple pour transporter. Donc vraiment, je pense que c'est la technique à faire. C'est l'under chest. Bon bah globalement ça va. Attention, on s'écarte un petit peu. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, 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 allez. Allez.
Ok, on l'a mis très très mal. Là, je crois que j'ai regardé un Enderman par contre en passant. Non, c'est bon, nickel. Ok. Alors là, on lui a mis extrêmement mal. Donc, c'est sympa. C'est bien, ok. On va essayer juste de l'avoir au-dessus du... Enfin, pas justement qu'il soit pas du tout au-dessus du portail. Parce que sinon, après, ça va être très chiant. Oh putain! Un coup et on l'a. Attention, on va juste attendre qu'il nous charge. Nickel! On l'a eu! On l'a tué! On l'a tué! On a eu l'Under Dragon! C'est pas nickel! Ok, on récupère tous les, tout l'XP! Wow! Tout l'XP! Oh! Oh là 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 là! Tout l'XP! Oh le truc de ouf! Oh ce truc de ouf! Bon! Eh bien écoutez, chers amis, on a fait tout ça. On a fait tout ça. On l'a tué. On l'a tué. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a encore un peu de bouffe. Bon, donc au final, on va récapituler tout doucement. J'ai oublié un petit fragment d'XP là-bas. Donc, on l'a fait. On a tué le Nord Dragon avec une armure qui était vraiment pas sensationnelle. On est mort une fois, mais c'était de ma faute. C'est parce que j'étais vraiment pris de panique. En fait, j'étais pris entre... En fait, lorsqu'on a grimpé sur un tour, j'étais pris entre sa bouboule là, avec son spray et tout. Enfin, avec, vous savez, là, le produit qui jette, en fait. Et vraiment, j'étais bloqué entre ça et la hauteur, en fait, de la tour. Donc, heureusement que j'avais un chute amorti. Le chute amorti, les gars, c'est vraiment une priorité à avoir. Sincèrement, si vous n'avez pas chute amorti, n'essayez même pas de faire laine, vous n'allez pas y arriver. Bon. La suite c'est quoi? La suite c'est le farming un petit peu du coup des forteresses. Ça c'est vraiment la suite. Ça va devenir important, donc là voilà on est tranquille. Là globalement la difficulté est passée. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais faire une petite ellipse. Comme ça si mon PC crash, j'ai au moins cette séquence. Donc petite ellipse, ok. Nous revoilà les amis, donc juste fait une petite ellipse au final, moi j'ai pas bougé de ma place, hein, mais c'était vraiment au cas où mon PC allait crash, moi j'avais au moins cette séquence qui était vraiment la plus importante quelque part. Bon, globalement... On est bon, donc j'ai clairement pas de blocs. J'aurais peut-être pas... Ah, attendez, j'aurais peut-être pas forcément... Non, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va descendre. On va reprendre les blocs qu'on a cassés. Parce que c'est pas du tout ce genre de blocs qu'il faut utiliser. Ouh, bon, on se détend. On se détend, on se détend. On se détend. Bon, ça a été fait. Ça, c'est fait. Bon, nickel. Maintenant, on peut se détendre tranquille. Et là, maintenant, ça va être vraiment une pure partie de plaisir. Dans le sens où, là, vous allez voir que ça va être vraiment du farming. Alors, ça va être, vraiment être un petit peu d'exploration. Donc, c'est pour ça que je vais faire, je pense, une ou deux forteresses en vidéo. Mais après, le trajet entre chaque forteresse, je vais le faire en off. Parce que sinon, ça va vraiment être trop le bordel, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, en attendant, on va juste, du coup, prendre en coordonnées. Enfin du moins prendre les coordonnées du coup de justement donc de cette end. De cette end ouais. Et par contre du coup pour repartir ça va être assez spécial puisque là du coup il n'y a pas de commande slash spawn, pas comme sur Exalcraft. Du coup pour repartir il faut vraiment trouver des portails justement des portails par là où on arrive. Donc voilà. Donc c'est parti, on peut remonter. Alors attendez, on va même faire un petit escalier comme ça. On fait ça vraiment assez proprement. On fait ça le plus propre possible. Comme ça au moins on pourra retourner dans cette end du coup pour aller farm, sachant que l'end n'est vraiment pas très loin. Sincèrement, et c'est vraiment pas du tout très loin. Donc voilà, globalement ça a été, globalement on s'en sort relativement bien. Sincèrement, on s'en sort vraiment relativement bien. Mais c'est vrai que cette technique de double stuff, c'est vraiment génial. Ou du moins en fait la technique du respawn dans l'end en fait. Enfin justement le respawn à côté du portail de l'end. Parce que comme ça au moins votre stuff n'a même pas le temps de disparaître. Et voilà. Bon, remarque le double stuff en fait je l'ai fait au cas où on serait mort. On aurait eu forcément besoin de bah, d'un double stuff, d'une armure et tout ça pour au moins terminer l'Under Dragon. Voilà, c'est pour au moins ne pas être venu pour rien. Donc voilà. Mais bon, globalement, ça va, ça a été, on s'en est sorti. Bon, je me suis fait quelques petites frayeurs. Mais au final, bon, on est mort une fois du coup. Hein, donc c'est la première fois du jeu, je crois qu'on est mort. C'est pas grave, sincèrement, voilà, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas très important. Alors attention, évidemment, quand on va se TP de l'autre côté. Ok, nickel. Bon, on s'est TP du coup de l'autre côté. Donc le portail est ici. On est en 950-325. Mais globalement... Putain, cette chance! Ah bah, bon ben, donc on arrive, il y a déjà une forteresse là où on est arrivé. Alors, il n'y a pas des, y a pas d'élytra. Ça m'aurait semblé un petit peu trop sensationnel pour qu'il y ait une élytra. J'ai pas pris d'eau. J'ai plus d'eau de toute façon. Donc ça va être, je pense, un peu le bordel, mais c'est pas grave. Ok, bon c'est pas grave, je me suis fait toucher, peu importe. De toute façon, là on s'en fout. Là on va vraiment juste explorer un petit peu... Merde, je suis pris dans un ghost block, non? Même pas. Ok, donc là on va vraiment juste explorer cette forteresse et du coup chercher un petit peu un endroit du coup pour farm. Ok, donc une première fois, donc on a eu notre petit truc de shulker là, ce qui est vraiment très important aussi. Parce que du coup ça nous permet vraiment de faire nos shulker box. Et shulker box c'est vraiment le truc le plus important. Donc on a eu un souffle de dragon, je sais même pas ce qu'on peut en faire. Mais bon,
C'est pas très important. Faut juste simplement qu'on monte. Donc j'ai pas énormément de blocs, mais c'est pas grave, on va gruger. Vous inquiétez pas, on va gruger du coup avec tout ça. Donc heureusement qu'on a un peu de chute amortie, comme ça au cas où on tombe. Là vraiment, là la difficulté, ça va vraiment être la chute amortie. Et voilà, attendez, vous savez quoi? Est-ce qu'il va y avoir du stuff en haut? Non, même pas. Ok, donc c'est parti, on va go, on va traverser de ce pas. Putain, il y a un Enderman ici. Donc forteresse complètement inutile, je sais même pas pourquoi je suis venu. J'arrive même pas à le tuer quoi. Ah ok, nickel. Donc ce genre de forteresse n'est vraiment pas très utile. Là, on va prendre une petite underpearl, voilà, pour se TP tout en bas. Et du coup, partir de ça. Partir de ce sens. Donc, on a du coup notre premier portail. Ah, bon, évidemment, là, les petits trucs de Shulker vont nous suivre indéfiniment. Enfin, je sais pas du tout si ils vont nous suivre indéfiniment, mais apparemment, oui. Bon, attendez, on va essayer de les avoir. Ils vont nous feinte. Ok, moins une. Juste à spam, là, l'épée, ça va, c'est relativement simple. Donc, on a un premier portail ici. On va rescreen les coordonnées. Une première forteresse. Et du coup, là, maintenant, la technique à faire, c'est de partir dans une direction jusqu'à temps que vous trouvez une forteresse. Donc, de toute façon, c'est cela, je pense, pour cet épisode. Et puis, dans le prochain épisode, du coup, on va faire un petit épisode farming. Voilà. Donc, ce sera, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie d'avoir, oui, voilà, regardé cet épisode. Voilà, d'avoir pris le temps de regarder cet épisode en entier, donc vous inquiétez pas, c'est pas du tout la fin de la série. Je vois déjà une forteresse là-bas, c'est magnifique. Voilà, bah sur ce, j'ai plein de gros bisous. Et puis, dans le prochain épisode, ce sera exploration des forteresses de laine.